pas
savoir qu'il est de la même promotion que M. Lassana Diaby Sibi, qui m'a moi éduqué. Donc, c'est le procureur de la cour d'appel. Donc, c'est son promotionnaire. Donc, il est chez lui. Donc, merci de votre présence, M. Niaï. Je vais aussi vous présenter un ami, un parent, que beaucoup de Marseillais connaissent, je pense, Moussa Kouyaté. Donc, il est venu accompagner Momodou Ndiaye, qui est un enfant de Waoundé, que je ne présente pas. Je remercie aussi mon ami Babacar Ba, qui est là, qui est le directeur de la BOA à Marseille, donc qui est aussi là. Je remercie aussi mon ami Thierno Diallo, qui est venu de Paris. En fait, hier, on était ensemble à Nice pour un meeting. C'est le représentant du journal L'Observateur en France. Donc, attention, il y a un journaliste parmi nous. On a averti en haut. Voilà, donc sans plus tarder, je remercie quand même les autorités parce que nous avons quand même mon oncle Wagi Diaye, qui est le responsable de la communauté de Moudéri. Nous avons M. Omar Koutouk Kamara, qui est responsable de la communauté de Waoundé aussi. M. Demba Sibi de Waoundé. Et mon oncle Omar Ndiaye aussi, qui est de Waoundé. Donc nous avons aussi notre cher ami Baba Kamara, qui est un acteur de la communauté sénégalaise à Marseille. Donc nous vous remercions tous. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Sibi. Je donne à M. Ndiaye. Donc voilà, je vais passer la parole à M. Ndiaye. Il va se présenter et donner quelques mots à l'égard de l'Assemblée. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, donc les représentants donc, de la communauté de Mbankani ici présents, Mesdames, Messieurs, les représentants de la communauté de Diawara à Marseille, Mesdames, Messieurs, les représentants de Waoundé, Mesdames, Messieurs, les représentants de la communauté de Moudéri, Mesdames, Messieurs, les représentants de la communauté de Goumal, Mesdames, Messieurs, les représentants de Wompou, Mesdames, Messieurs, les représentants de Toulel, et j'en oublie certainement, mais je demanderai à ceux-là que j'ai oublié de bien vouloir m'excuser. Je voudrais tout simplement saluer tout le monde ici, présent, y compris les membres de l'Association sportive et culturelle des jeunes d'Adoma, excusez-moi, avec le président Ablaye Cissé à la tête, les représentants de l'Association des jeunes Soninké de Marseille, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je voudrais tout simplement vous dire merci, merci du fond du cœur pour cette forte présence, cette forte mobilisation, je suis tenté de dire. Et je suis d'autant plus fier et content de cette mobilisation et de cette présence qu'elle est constituée dans son écrasante majorité par des jeunes. Des jeunes filles, des jeunes garçons, donc, qui représentaient, vous le savez très bien, l'avenir, n'est-ce pas, de notre pays. À l'entame de mon propos, je voudrais vous dire, vous présenter les excuses, les plates excuses, d'ailleurs, je devrais dire, de M. Tamsir Faye, nouvellement nommé à Marseille en qualité de consul général par Monsieur le Président de la République, et qui a pris ces quartiers, comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, il y a environ un mois seulement, donc qui est extrêmement chargé donc, pour ces temps-ci. Et je pense que je ne trahis pas non plus le secret en vous révélant que le jour de sa prise de fonction, certains parmi vous le savent, donc, je pense qu'il a eu un événement heureux dans sa famille. Donc, son épouse a eu un enfant. Et depuis lors,
il n'était pas retourné auprès de celle-ci et de son enfant en raison donc, des obligations de sa charge. Il est resté ici 3 semaines durant, un peu, donc pour prendre service, prendre contact avec la communauté et commencer normalement l'exercice de ses nouvelles responsabilités. Il était donc tout à fait normal que il retourne un peu auprès de sa famille. C'est ce qu'il avait fait avec l'espoir, en partant, de pouvoir revenir aujourd'hui dimanche assister donc à cette importante manifestation. Et comme vient de l'indiquer M. Camara, je pense qu'il a été pris un peu au piège, n'est-ce pas, donc des contraintes du transport ferroviaire, aérien, etc., donc du transport tout court en France. Il a fait des mains et des pieds, il a fait tout son possible pour venir aujourd'hui partager avec vous ce moment de communion, échanger avec vous, donc vous rencontrer pour la première fois, faire votre connaissance, mais hélas, le bon Dieu en a décidé autrement. Il s'en excuse auprès de vous et m'a demandé donc de venir le représenter ici et de vous dire de vive voix qu'il aurait vraiment souhaité être parmi vous aujourd'hui. Mais je pense que ça n'est que partie remise. Hein, et que très prochainement, si vous le permettez, on va à nouveau organiser une rencontre au cours de laquelle il aura l'honneur, le privilège de vous rencontrer et de vous serrer la main à chacun de vous, de vous témoigner, n'est-ce pas, sa disponibilité, de vous réaffirmer aussi, n'est-ce pas, sa disponibilité et donc son engagement et sa détermination à se mettre au service de la communauté que vous représentez. Il est au service de tous les Sénégalais, de toutes les communautés, mais je pense que là aussi, je ne trahis pas de secret, je pense qu'il a, n'est-ce pas, des rapports tout à fait particuliers avec la communauté soninké de Marseille. Je crois qu'il expliquera mieux que moi les raisons, n'est-ce pas, de cette familiarité et de la particularité de ces relations-là. Voilà donc ce que je voulais dire de la part de Tamsié Faye, en vous disant également que je suis là en son nom, prêt à répondre à toutes les interpellations, à toutes vos interrogations, aux questions que vous auriez souhaité lui poser. Bien entendu, je ne le ferai sans doute pas aussi bien que lui, mais je ferai de mon mieux, je tenterai autant que possible d'être à la hauteur, n'est-ce pas, et de répondre dans la mesure de mes connaissances et de mes possibilités à vos questionnements, à vos interrogations relativement à votre séjour à Marseille. Je ne comprends pas très bien son intérêt, mais je crois avoir saisi un tout petit peu ce que disait tout à l'heure M. Camara, en disant que la plus grande, partie de la communauté soninké ici a la particularité d'avoir la double nationalité. Et qu'à ce titre, je crois que ça explique un peu pourquoi. Et d'ailleurs, ils ne sont pas très très fréquents au consulat. C'est normal. Mais je pense aussi qu'ils gardent des racines profondes, n'est-ce pas, avec le pays, avec la mère patrie, et que nous nous acheminons aussi, je pense, vers, de nouvelles réalités, n'est-ce pas, consulaires, qui certainement ont suscité auprès de chacun de vous des questionnements, des interrogations sur lesquelles nous pourrons échanger tout à l'heure. Et comme j'ai dit, j'essaierai autant que possible, n'est-ce pas, de vous apporter les réponses qu'il faut dans la limite, n'est-ce pas, dans la mesure des connaissances que j'ai de ces questions. Voilà, je ne vais pas peut-être monopoliser davantage la parole. Je vais la retourner à M. Camara, que je voudrais saluer au passage. Un jeune pétri de qualité, pétri de talent et qui, je viens de le découvrir d'ailleurs, a été élevé matrimoni par le procureur Lansana Diaby Sibi, que je connais très bien, donc je ne suis pas surpris. C'est peut-être aujourd'hui que j'ai l'explication, hein, n'est-ce pas, des traits de caractère que j'ai découvert en lui,
comme je disais tout à l'heure, vraiment un garçon au service de la communauté. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans des manifestations de ce genre, n'est-ce pas, a fait les preuves, n'est-ce pas, de ses capacités, de son ouverture d'esprit et vraiment de sa disponibilité auprès de toute la communauté sénégalaise. Je profite de cet instant, la présence de ses parents, pour dire toute la satisfaction des autorités consulaires à son endroit. Voilà, donc en attendant, je vous dis à tous. À travers les communautés sénégalaises de Marseille, en particulier les Soninkés, Moussé Wagué Ndiaye, il va vous remercier. Nous voulons les gérer. Tu trouves une moudre de peuple, profitez-vous. À quoi Marseille, à quoi tout ça vous l'aime. Je vais mettre les invités au Yep Aïssa pour les casser au Finec. C'est quand tu es avec tes filles, quand tu es là, quand tu es là, tu es là. Des graines de bas à bas religieusement. Pour le lever, les gars, les gars, tu es là, 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 tu es ñu ngi lay dégglu nga faram pacc ñu ko ci li ñu wara sukkandi c'est taway bi xam nañ ni da nga bay sa yitté yow nga yékkati sa tank yitté yi nga ñew fekk suñu fi lool doy na ma sha Allah sagal ba jërëjëf fu sa jër ñu ngi dégglu ko ci dégg na li nga dégg nak ci monsieur le cause lim absenté doom adam da ngay wax rek jamm da ngay wax mais yalla ay atté yalla lu mu dogal lool Allahumma salli ala Muhammad. Non, non, il va parler après. C'est à la fin, il faut clôturer. Donc, pour être plus pragmatique, il faut que Khana Tounanti, je pense que je vais parler en français, parce que la majorité comprend. Il ne faut pas abuser non plus. Quoi. Il y a des informations, il faut que je vous donne ces informations-là, qui nous concernent, nous, communauté sonique, directement. Comme j'ai dit au consul, je lui ai dit que tu verras jamais, jamais au plus grand, jamais, un soninké dans ton bureau qui te dira, monsieur le consul, on a un corps à rapatrier au Sénégal et on a des problèmes. Ça n'arrivera pas. Parce que ce problème, on l'a évacué depuis belle lurette. J'ai dit aussi au consul que tu ne verras jamais un soninké qui viendra dans ton bureau pour te dire qu'on a un de nos fils, il a des problèmes avec la justice, on a un problème d'avocat. Ce problème, nous l'avons évacué depuis très longtemps. Les Wolof disent ça, vous faut bop. Mais xam sa bop ci jamu yalla le bop. Na doutou ke ngi kefin a lambaté. Nous ko ngadang nanti wo soninko. Certes, on nous dit qu'on ne se mélange pas trop avec les autres. Nous avons nos raisons. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les autres, mais c'est pour se préserver. Parce que nous avons des organisations aujourd'hui qui nous permettent d'être autonomes, en tout cas à l'égard du reste de la communauté sénégalaise ici présente dans la diaspora.
Mais des jeunes comme moi, ceux de ma génération, ou qui sont même au-dessus, ont cherché et continuent à chercher à faire des relations entre la communauté et les autres Sénégalais, parce que c'est ça le Sénégal. Je pense qu'on est arrivé à un moment où le mélange des peuples va de soi. Peut-être qu'à l'époque, nos parents, nos grands-parents avaient leur raison parce qu'il y avait ce problème de communication entre les peuples. Et ce problème, je pense, aujourd'hui est réglé. Donc j'invite surtout l'association des jeunes Soninké. Quand Ablaye m'a appelé pour me dire que les filles veulent venir, j'ai dit qu'il faut qu'elles viennent parce que j'ai un message personnel à vous adresser. La plupart d'entre vous, vous êtes nés en France. Et c'est sûr que vous ne connaissez pas la couleur des papiers sénégalais. Il y en a qui en ont. Il y en a qui n'en ont pas. Et j'en vois. Si vous retournez à la maison, il faut, excusez-moi, mais il faut perturber vos parents. Vous ne pouvez pas vous réclamer sénégalaise ou sénégalais sans avoir les papiers du Sénégal. Et c'est très facile. C'est très facile de les avoir. Je laisserai tout à l'heure à M. Ndiaye le soin de vous expliquer comment faire. Donc, pour revenir au corps, récemment, Waoundé, on a perdu un vieux, le vieux Dembo Kamara. Pour rapatrier le corps, il a des papiers français. L'administration consulaire ne peut pas délivrer comme ça un laissez-passer pour que le corps rentre au Sénégal. On était obligé de trouver un tuteur du corps au Sénégal pour que M. Dembo Kamara, qui est sénégalais, qui est Waoundé, que son corps puisse rentrer au Sénégal. Mais c'est normal. Parce que le consulat du Sénégal est ici pour les Sénégalais. Et ceux qui veulent aller peut-être au Sénégal. Mais les papiers qu'ils délivrent là-bas, ils ne les délivrent qu'aux Sénégalais. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, personnellement, j'ai reçu l'information hier du ministre Mahmoud Salé, qui sera là tout à l'heure à Marseille, qu'à partir du 1er octobre, la réciprocité de visa va rentrer en vigueur. Ah bon, ça, je vais le dire un peu en soninké, pour Mbuntombe qui ne comprend pas bien français. À partir du mois d'octobre, Seresu Angamoulanga tel Sénégal, France Kaïti Mbananama, il faut qu'on ait visa nyamou. Au-delà de cela, parce que visa, il y a une visa qui est un mois, deux mois ou trois mois. En Dakar, en Dakar, tu reviens à l'aéroport pour rentrer. Tu as dépassé le délai qu'on t'a donné dans le visa. Tu es en infraction. Pire même, je pense que tu as commis un délit. Donc, avant cela, qu'on prenne nos dispositions. Les dispositions, c'est quoi? Parmi vous, ceux qui n'ont pas les papiers sénégalais, la prochaine fois que vous irez au Sénégal, si d'ici là, il n'y a pas une commission qui vient à Marseille, faites tout pour avoir vos papiers. Moi, en tout cas, personnellement, je vous l'ai toujours dit, je le répète, je m'engage à être votre interlocuteur, votre intermédiaire pour tout renseignement possible. Parce que je sais que la facilité que j'ai, moi, à avoir les informations du consulat ou bien le temps que j'ai, il y en a certains parmi vous qui l'auront pas. N'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone, appelez-moi pour des renseignements, je chercherai ces renseignements et je les ramènerai chez vous. Je suis votre talib, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, je sais qu'aussi, au niveau de la communauté, on a d'autres soucis. Les Français qui travaillent là et que leurs familles sont restées au Sénégal touchent des allocations familiales par le biais de l'administration française. Mais chaque année, ils demandent en fait à justifier le nombre d'enfants que vous avez. Et ça, il y en a qui sont déjà allés au consulat pour chercher ces papiers-là. Toutes ces personnes que vous voyez en général, c'est des Soninké. Et ils viennent que pour ça. S'il y a l'argent, on vient. C'est comme ça. On est des capitalistes, on cherche que l'argent. Donc ça aussi, j'aimerais, M. Ndiaye, que vous expliquiez ça à l'Assemblée. Quelle est la possibilité de l'avoir, si c'est possible, la procédure. Donc je pense que c'est ça. Si maintenant dans l'Assemblée, il y a quelqu'un
qui veut poser une autre question. J'allais oublier les étudiants. Les étudiants, au niveau de Marseille, nous en tout cas au niveau de l'APER, on est en train de négocier pour créer un bureau, un conseiller qui se charge uniquement des étudiants au niveau des consulats. Chaque consulat, parce qu'on ne l'a pas. Donc ça, on est en train de lutter pour. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler du jour au lendemain. Mais là, quand quelqu'un aussi se bat pour une cause qui concerne certaines personnes, il va falloir, les gars, que vous vous mobilisez. Que vous vous fassiez voir les jeunes soniques et étudiants rentrer dans les associations des étudiants qui existent ici à Marseille. N'attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous donner ce qui vous appartient. Ça vous appartient. C'est comme ça que je marche. Nous, les soniques, on est trop attentifs. S'il y a des choses qui nous reviennent de droit, n'attendons pas qu'on nous l'amène sur un plateau. Il faut qu'on y aille. Donc, militez, rentrez dans les associations. Vous avez des idées, faites-les savoir. Les jeunes qui sont là-bas, ce sont des étudiants, des Sénégalais comme vous ou des Africains comme vous. Il y a des associations très dynamiques. J'en ai des adresses. Mon ami Babacar est là. On travaille beaucoup avec des associations d'étudiants sur place. Donc, je pense qu'il n'y a qu'avec l'ouverture qu'on peut faire quelque chose. On peut toujours régler les problèmes de famille, mais au-delà de ça, je pense qu'on restera toujours en retard. Et je ne le souhaite pas pour ma communauté, pour l'amour que je porte pour vous. Je vous remercie. S'il y a quelqu'un qui a une question, vous pouvez lever la main, on vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour, excusez-moi, je ne peux pas trop parler. Juste, je voulais vous poser une question. Un peu de silence, s'il vous plaît. Que personnellement, ça vous concerne. Au niveau des enfants. Comment faire pour avoir des papiers pour nos enfants? Est-ce qu'ils doivent avoir la carte d'entrée ou parce qu'ils sont nés ici? Merci. Bonjour, je m'appelle Sako Sissé, je suis connu sur le nom de Sako Sissé. Je suis étudiant franco-sénégalais, je suis étudiant à l'IEP d'Aix-en-Provence, je suis ambassadeur. Donc, sur la question des visas, je voudrais savoir en fait pour ceux qui ont la double nationalité, comment on fait pour passer les frontières si on n'a pas de visa, parce qu'on ne peut pas passer la frontière avec le passeport français parce qu'il n'y a pas de visa, on ne peut pas passer avec le passeport sénégalais puisque les autorités françaises vont nous demander. On va dans le Sénégal et le français parce qu'on va voyager avec le passeport. Personnellement, j'ai le passeport sénégalais et le français. Et je me demande comment je vais aller au Sénégal à partir du mois d'octobre parce que j'ai suivi ça, mais je ne peux pas comprendre comment on va passer les frontières. Mais Sénégalais, les le borom keur, bo déggé ñu né borom dëkk nga, da am ñu dëkk ci dëkk. Bo déggé ñu né borom keur nga. Da am ñu nek ci kër ga buñ fi indé consulat Sénégal dafa fekk dafa tax Sénégalais yi fi nek ñoo tax ñu indi consulat bu fi Sénégalais yi nekulon consulat do am Marseille du dëkk donc néna mu ngi leni ñaan bu Sénégalais ñëwé fofu di leen sét lu ci ëpp boy out ci ay kayit ay bëtt yu xonku ci parce que jaxlé mo la fay yobbu na ngeen gor gor na ngeen farlu ci li ngeen def ba nit koku buy génn ci consulat bi ay rongañam teex jeex ay rongañam fekk donc moom loolu la doon wax toujours di leen ñaax liggéey bi ngeen nekk ngeen gën koo yokk waaw moom waxam kàddoom foofu la jëm ci encouragement. Merci monsieur Gourbet. Monsieur Ndiaye, je vous laisse la parole. Merci monsieur Kamara. Donc, je vais peut-être commencer par M. Koulibaly répondre à sa question. Ça n'est pas une question, c'est plus une contribution. Ouais. Je pense que je partage parfaitement ce qu'il a dit. S'il y a un consulat à Marseille, c'est bien parce qu'il y a des ressortissants sénégalais à Marseille. Je crois que s'il n'y avait aucun Sénégalais à Marseille,
notre petit pays, le Sénégal pauvre, ne se paierait pas le luxe d'ouvrir ici un poste consulaire pour ne rien faire. Entretenir un poste consulaire, payer des fonctionnaires, supporter des charges de fonctionnement, alors qu'il n'y a pas de ressortissants sénégalais ici, je pense que cela ne peut pas se concevoir. Donc, tout à fait d'accord avec lui, et bon, le mieux, comme on dit, est l'ennemi du bien. Nous ne prétendons pas faire les choses comme il se doit. Nous recevons, disons, les...